Jean-Jacques Simard est né à Kénougami, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au moment où la Seconde Guerre mondiale se termine. Enfant, il se promène en automobile avec son père et roule à travers le paysage de ce qu'il appelle aujourd'hui un monde rural et agraire, un milieu canadien-français catholique, envahi par les slogans américains annonciateurs de la hausse du standard de vie. Au début des années 60, il a complété le cours classique et monte à Montréal faire les beaux-arts. Il dessine des mythologies plastiques, cadrant d'exotiques personnages. Un peu plus tard, il prend le Nord pour y retrouver les Indiens et les Esquimaux et travailler à d'enthousiastes projets de refaire le monde. C'était, dit-il, une époque où on croyait à la réconciliation de l'État avec la Révolution par l'animation sociale. Au sortir de cette épopée, Jean-Jacques Simard entreprend de devenir un intellectuel sociologue. Désormais, écrire sera sa manière de prendre le monde en main et de réaliser son ambition d'expliquer la vie sociale comme une théorie vécue. Où donc êtes-vous né? Je suis né, à vrai dire, à l'hôpital de Chicoutimi. Mais plus largement, j'ai été élevé à Kénougami, au Saguenay, et beaucoup aussi dans la région de Saint-Félicien, parce que mes parents étaient issus de cette région-là. Et les accointances familiales sont restées très importantes. Comme mon père avait une voiture, je me souviens dans mon enfance d'avoir beaucoup voyagé au Lac-Saint-Jean les fins de semaine, durant l'été, et parfois durant la semaine. Il passait beaucoup de temps, de sorte que, même si au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout le monde fait très attention de bien distinguer le Saguenay du Lac-Saint-Jean, moi, je n'ai pas d'objection à dire que je viens du Lac-Saint-Jean ou du Saguenay. Ma moyenne arithmétique géographique, c'est peut-être quelque part entre Saint-Bruno et La Rouche, entre le Lac-Saint-Jean et... quelque part entre Saint-Bruno et La Rouche, mais en 1945, en novembre 45. En 1945, oui, bien sûr. Et puis dans les années qui ont suivi, évidemment. Ouais. Je suis curieux de savoir un peu ce qu'a été votre première jeunesse, dans le fond. Vous avez 35 ans maintenant. Mais il y a quand même plusieurs années qui se sont écoulées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'était d'être jeune au Lac-Saint-Jean? Ma foi, c'est difficile. C'était être dans une culture rurale, de toute évidence. C'est-à-dire, même si on vivait dans un monde qui était en phase d'industrialisation, entouré d'ouvriers industriels, de col bleu, surtout à Kénougami, c'était une ville ouvrière qui s'était créée conjointement par le papier et un peu aussi comme dortoir des gens qui travaillaient à la construction du barrage de Chipcha. Et puis plus tard, les ouvriers de l'Alcan, bref, une ville ouvrière. Il reste que les valeurs qui étaient les nôtres dans la famille et dans la vie communautaire, et c'est ça, c'est ces espaces-là que les enfants patrouillent. C'était des valeurs du monde rural, agraire, donc où la communauté était fortement axée sur des relations interpersonnelles avec des notables et tout ça. Alors c'est là-dedans qu'on vivait. Maintenant, on vivait bien sûr dans une période où justement la culture se transformait beaucoup et où pour nous, enfants par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est des autres, mais en ce qui me concerne, j'oserais penser que peut-être les mythes américains, les cow-boys, par exemple, sont entrés dans notre vie sans que jamais on les questionne. Et l'automobile. L'automobile a été quelque chose d'épouvantable. On y a greffé toutes sortes de rêves qui étaient sans doute pas toujours bien conscients d'évasion, de beauté, de puissance. C'était quelque chose d'extraordinaire. Étant tout petit, moi, je m'efforçais bien gros de démêler les marques et les modèles différents d'automobiles. C'était une occupation que je considérais comme étant éminemment importante. C'était comme ça. C'est là-dedans qu'on vivait, bref, dans une période charnière. Et plus tard, ben, on a été quelques-uns à considérer Elvis Presley comme le péché mortel. Et donc, la seule chose intéressante qu'il pouvait y avoir sur Terre, il y avait quelques autres choses. Mais en termes culturels, ouais. C'était encore là, bien sûr, l'Amérique. C'était aussi, plus abstraitement, mais plus généralement,
la consommation, la montée du standard de vie, le commencement de l'érosion de justement de ces valeurs rurales qui avaient du sens aussi longtemps que la communauté tournait, pour ainsi dire, en rond à l'intérieur de ses parcours. Dès le moment où il s'est mis à arriver plus de choses à chaque jour dans la vie que celles qui reproduisaient ce qui avait déjà été fait dans la vie des gens, la façon de concevoir le monde, et même chez les enfants, qui était un autre, nous a amené, bien sûr, à être beaucoup orientés très tôt vers une conception du monde qui nous faisait aimer le neuf et le changement. Mais qu'est-ce que vous aviez envie de faire dans la vie? Une police? Non, pas vraiment. On n'avait pas des envies de carrière très nettes. D'abord parce que le registre était assez limité. Personne ne veut jamais faire un ouvrier. Bon, il veut faire comme papa, c'est-à-dire réparer des machines ou bricoler ou aller travailler, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un ouvrier. Ce qu'on sait, on sait ce que c'est qu'un médecin, on sait ce que c'est qu'un curé, on peut savoir ce que c'est qu'un commerçant encore, que c'est pas clair. Il y a des personnages comme ça. Moi, je n'ai pas souvenance de m'être demandé beaucoup qu'est-ce que j'allais devenir. On nous parlait possiblement de la possibilité de faire des prêtres. C'était considéré comme très beau. Mais si on parle du début des années 50, je n'avais pas idée de ce que j'allais devenir. Il fallait devenir quelqu'un. Ça, c'est certain. Peut-être pas partout, quoique c'était assez commun chez les jeunes, les petits gars et les petites filles. Peut-être moins chez les petites filles, mais on était à l'école séparés, de sorte qu'on ne connaissait pas bien les petites filles, à moins d'en avoir dans la famille. Et là, on les connaissait mal, parce qu'on trouvait qu'il y avait toutes sortes de défauts, en particulier celui d'être des filles. Donc, chez les petits gars, du moment qu'on avait dans l'idée ce qu'on appellerait aujourd'hui la mobilité sociale. C'est-à-dire que il était courant d'entendre dire, si on disait « qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? » On disait, mais on laissait entendre implicitement qu'on sera quelqu'un. Que ça voulait dire, je ne sais pas. Mais il y avait cette idée de changement. Il venait sans doute de nos parents. Oui, bien justement, vos parents, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire de vous? Ils avaient envie de faire de moi une personne bien. Et bien sûr, ils croyaient à l'éducation. Ils croyaient que l'être humain, les enfants, pouvaient être pris en charge par les parents, être améliorés. Et non pas seulement, et c'était encore une rupture par rapport aux valeurs agraires, si on veut, non pas seulement par rapport à des principes éternels, mais dans la société vivante, dans le monde réel, qu'un être humain pouvait devenir plus, mieux, que ceux qui l'avaient précédé. C'était probablement dû au fait que mon père avait lui-même, j'imagine ma mère, avait lui-même vécu un peu cette mobilité. Mon père était le dernier d'une grande famille, une très grande famille, 15 ou 17 enfants, ça dépend comment on compte la mortinatalité. Et il avait été un peu chouchouté par ses sœurs. Et on le destinait à faire autre chose que ce que les frères avaient fait, c'est-à-dire c'était des hommes de bois, des ramancheurs, des hommes de chevaux. Et les femmes ne trouvaient pas ça très excitant d'entendre parler des chevaux ou du bois. De sorte que on lui avait dit très tôt, toi, tu vas aller plus à l'école. J'espère que tu vas faire quelqu'un. Il sent qu'il y avait une complicité entre lui et sa mère pour qu'il échappe à l'univers où il se trouvait. Et ça ne l'a pas empêché, bien sûr, de commencer sa vie comme bûcheron. Et puis ensuite, comme travailleur de la construction au barrage, de Chipchop. Et à la fin de la construction du barrage, encouragé, selon ce qu'il me disait, par ma mère, il est devenu commis dans un magasin. Et puis ensuite, il est devenu commerçant. Il a été pris en main par un bonhomme assez remarquable, M. Joe Gagnon, qui avait construit l'empire relatif des Gagnons frères dans le commerce au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et qui, en somme, a été son mentor dans le métier, qui lui disait des choses sur le commerce. Et il m'en parlait étant tout petit. M. Joe a dit. Et donc, ça, c'est un côté. Alors, sans jugement de valeur, mon père est un parvenu, quelqu'un qui a vraiment connu dans une génération une mobilité sociale. Du côté de ma mère,
Elle avait été élevée dans une très grande misère. Et sa mère, sa façon, elle, d'en sortir, ça a été d'aller en religion. Comme très souvent, les femmes qui voulaient échapper à quelque chose ou construire quelque chose, allaient en religion. C'était un milieu qui était exigeant beaucoup plus qu'on a tendance à l'imaginer aujourd'hui. Un milieu où on faisait de la philo, finalement, sans le dire, où on faisait des plans en soutenant sur la communauté. Bref, c'était très différent comme destin pour une femme d'aller en religion. Mais elle a eu la tuberculose et elle a dû sortir parce que les communautés avaient des difficultés à ce moment-là de payer les frais de la tuberculose, qui était assez courante. Elle est devenue maîtresse d'école. Et je raconte tout ça parce qu'elle avait dans elle aussi cette idée qu'il faut faire autre chose. Il faut devenir autre chose. Et c'était assez courant. Les mères maîtresses d'école avec un papa qui était encouragé, disons, fortement par les mères. Et les mères qui poussaient l'éducation auprès des enfants. Parce que s'il y avait quelque chose de bien établi, c'est que la voie vers la mobilité, vers l'amélioration, et c'était pas seulement changer de statut, bien qu'il y avait de ça, c'est-à-dire devenir quelqu'un au sens social. C'était devenir un être humain qui profiterait du travail des générations. C'est-à-dire, nous, on s'est rendus là. Et toi, tu vas être encore plus libre, tu vas être encore plus toi. Tu vas être moins écœuré par les curés, tu vas être moins pris, moins victime des circonstances. Et ça, c'était un message qui était très profond et qui passait. Et quand il passait, on se taisait, parce qu'on n'était pas sûr si c'était vrai. Mais, bien sûr, on restait avec un... en nous, avec, je dirais, une culpabilité bénigne si, effectivement, on n'avait pas le sentiment d'avancer. Ce qui nous rendait, finalement, assez dociles, mais en même temps, plus tard, bien sûr, après l'adolescence, peut-être que ça a fait de nous des gens un petit peu plus critiques. Et ce qui veut dire, finalement, que... Pas si c'est américain, mais dans ce sens-là, pour autant qu'il y a une culture nord-américaine ou même occidentale après la guerre, je me considérerais comme un représentant presque cliché de cette culture. Et la chose la plus frappante pour la génération qui nous avait élevés, c'était précisément la possibilité d'échapper au passé, échapper à l'enfermement du village. Mes parents m'ont jamais parlé du bon vieux temps. Et mon père, encore aujourd'hui, ma mère fait la même chose. Mon père me dit que c'était une époque qui, pour lui, était terriblement ennuyante. Il se souvient ça. Pour lui, qu'est-ce que c'est le bon vieux temps? C'est d'entendre des chaises qui craquent dans la cuisine, puis tout le monde qui dit toujours la même chose. T'sais? Et du côté de ma mère, ce qui est dans le bon vieux temps, c'est le curé en chair qui... comme un savonarole pharisien, monte du doigt quiconque a le malheur de ne pas marcher courbé. Alors, il n'y a pas de bon vieux temps. Qu'est-ce que ça a été la voie d'échappement pour vous? D'échappement au bon vieux temps? Oui, si vous voulez. Mais je pensais... tout à l'heure, vous en parliez un peu de cette manière-là, me semblait. Vos parents voulaient que... Vous connaissiez autre chose que ce qu'eux avaient connu. Ça impliquait certains choix pour vous, peut-être, non? Les choix, c'est une nouvelle idée, les choix. Ce qui était... C'est avec le recul que je dis ça. Je suis obligé d'utiliser les mots qui aujourd'hui sont courants dans mon métier. C'est la responsabilité qui nous était enseignée. T'es responsable. Et nous sommes responsables. Nous aussi. On avait le poids paternaliste. Qui était vécu comme un poids. Eux se sentaient responsables de voir à ce que on échappe à ce qu'ils avaient connu, bref, qu'on fasse un autre pas. Et nous, on se sentait responsables, coupables, jusqu'à un certain point. J'aimerais mieux le mot responsable. C'est le mot qu'on utilisait, mes parents étaient responsables. Il n'y avait pas cette culpabilité là, du pécheur, mais il y avait la responsabilité, qui est une forme de culpabilité, qui est vécue un peu comme culpabilité. Il disait, bon, ben, t'es responsable de voir à faire toi aussi un pas. Parce que nous, on s'en serait pas sortis si on n'avait pas fait un pas. Et dans ce sens-là, on se sentait orienté, si on veut, commandé de l'intérieur vers un dépassement. Bon. Mais ça ne nous était pas présenté comme des choix.
Il était bien entendu que il fallait étudier. Il fallait apprendre par cœur l'histoire sainte. Il fallait apprendre à compter, il fallait tout faire ça. Il n'était pas question de s'exprimer et faire des choix, au sens du choix personnel. Il n'y avait pas de choix non plus dans le fait que si on avait eu des bonnes notes, et si on le pouvait, et si on était reçu, chez nous en tout cas, considérant que les antécédents de mes parents, il fallait essayer d'aller au cours classique. Ça, c'était évident. On ne m'a jamais poussé à faire un prêtre ou quoi, des choses comme ça. C'était trop tard, on était en 55. Oui. Mais le cours classique, il n'y avait pas de choix là non plus. Voyons donc. Il m'est arrivé un peu plus tard, par exemple, après la rhétorique, je crois que c'était la 13e année, de vouloir faire un choix personnel. Je voulais aller étudier le cinéma. Et mes parents m'ont dit que ce n'était pas une très bonne idée, qu'il fallait finir ce qu'on avait entrepris. C'est un principe. Tu iras après. Donc, pas vraiment de choix. Cours classique. Et puis ensuite, oui, là, on a fait un choix. On était des étudiants professionnels, mais sans se définir comme les étudiants d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne considérait pas vraiment, étant à l'école ou au cours classique, que le marché du travail, la société autre que celle dans laquelle nous vivions, exigeait de nous des choses, juste de façon très abstraite. Marché du travail, profession, ce n'était pas des choses dont on discutait. On se posait la question, puisqu'il fallait, il appelait ça prendre un ruban, puisqu'il fallait choisir, après le baccalauréat, d'aller poursuivre des études à quelque part, ou à moins qu'on travaille. Là, on se disait, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Et puis, à ce moment-là, et ça venait probablement plus, cette fois, du milieu scolaire, relativement progressiste, entre guillemets, que de la famille même, là, on faisait un choix qui n'était pas encore là, commandé par les exigences du marché du travail. Quelques-uns, bien sûr, y pensaient. D'aucuns, d'ailleurs, n'avaient tellement pas d'idée de ce qui s'enseignait à l'université qu'une fois exclus la médecine et le droit, supposons parce qu'on n'était pas assez fort en mathématiques, puisque les mathématiques servaient, bien sûr, de discriminant, comme servent encore aujourd'hui pour l'accès à des professions qui en ont nul besoin, mais qui sont, dans quelque sorte, un rite de passage pour assurer une certaine conformité à des professions qui exigent un certain conformisme puisqu'ils sont détenteurs d'un grand prestige, d'un mécanisme social. Une fois que c'était ça, était exclu, on se demandait bien quoi. Bon, on choisissait un peu ce qu'il y avait sur le coin, on regardait dans les prospectus dans les derniers trois mois avant de partir. Enfin, les garçons que je fréquentais, c'était comme ça. Et puis, on faisait un choix. On faisait un choix en disant, bon, ben, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Il y avait une chose, on n'avait pas d'angoisse dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on était convaincu qu'à quelque part, la société nous attendait. On nous avait dit qu'on était une élite. Et bien sûr, on voulait dire qu'on était une élite au sens où on était des gens remarquables et qui avaient été formés pour être des leaders ou des responsables, mais c'est pas comme ça qu'on percevait la chose. Sans oui, on se sentait encore là responsable de voir se mouler sur cette image, mais je pense qu'on savait qu'on était une élite au sens où on était une minorité. Et que la question ne se posait pas lorsqu'il sortait comme ça 100 ou 150 jeunes hommes et jeunes femmes, parce qu'au moment où j'ai terminé, il y avait déjà des jeunes femmes qui avaient rejoint nos rangs, de Jonquière, d'une population de base du Grand Saguenay, si on veut, ou de la conurbation de 200 000 personnes. C'était pas très angoissant de trouver un trou à quelque part par la suite. Alors qu'aujourd'hui, au collège que j'ai fréquenté, il y a 3 000 étudiants, c'est autre chose. Donc, ce choix était là, c'était vraiment un choix un petit peu naïf, à la lumière des naïvetés progressistes des années 60. Et j'ai choisi d'aller aux Beaux-Arts. Probablement pour... mon adolescence n'était pas terminée. J'ai fini mes études très jeune parce que j'avais commencé très tôt. Et probablement pour me démarquer à la fois de mes parents, de la société, d'un peu tout le monde. Et parce que je dessinais beaucoup et que ça m'obsédait. Je suis allé aux Beaux-Arts. Puis c'est aussi parce que je voulais aller à Montréal pour sortir de la campagne. Moi aussi, je voulais sortir certain... J'étais tanné d'entourer le monde qui parlait de hockey alors que je ne savais pas jouer. Et en perdant sur ce terrain, il fallait bien aller gagner ailleurs.
Donc, vous êtes parti à Montréal? Ben oui. J'ai fait les Beaux-Arts et c'est... Si mes parents ont de la difficulté à me parler des bons, du bon vieux temps, j'ai bien peur que quand je serai très vieux, je dirai à mes enfants ou à mes camarades que les Beaux-Arts, c'était le bon vieux temps. À vrai dire, c'était les années 60 d'Amérique du Nord, condensées dans un lieu qui était l'École des Beaux-Arts, qui était une espèce de bouillon de culture où se rassemblait tout ce qu'il pouvait y avoir, ce qu'on appellera plus tard des frics ou des têtes chercheuses, de toutes sortes, que ce soit le théâtre ou que ce soit quelques personnages adorables qui remorquaient un poisson mort. C'était autre chose que aller à l'aréna, mettons. C'était en même temps James Bond, c'était New York, c'était l'Occident chrétien en renaissance. John Kennedy, puissance américaine. Et puis l'art, c'est-à-dire se consacrer avec un relâchement qui demande, sans doute, je reviens à ce mot de naïveté, apparaît aujourd'hui. Naïf, je ne trouvais pas naïf, je ne crois pas que c'en était vraiment, de se mettre à complètement dans quelque chose qui est la pratique des arts plastiques, à entourer de gens qui, eux aussi, considèrent capital le fait de mettre une tache rouge à quelque part ou d'ajouter cinq lignes sur tel dessin ou à s'esbaudir sur telle chose. Et alors les objets te sautent au visage et puis en même temps, tout ça est un peu du théâtre. La ville, pour nous, c'était fantastique. C'est quand on venait de la campagne. Bien que les rues, je me rappelle, la rue Saint-Laurent. Bon. Il y avait déjà des mythes, puis le côté cosmopolite et tout ça. Bref, c'était un milieu très, très stimulant. Et puis, une expérience d'éducation remarquable, parce que tout ce qu'on dit de l'éducation progressiste, il était pratiqué là-bas, pas à cause que les gens étaient progressistes, mais parce que l'art se prête mal à une rationalisation. Et donc, c'était les groupes de pairs, les classes de praticiens, d'apprentis, hein, avec des maîtres, c'est-à-dire des gens qui supposément pratiquaient le métier d'artiste. De temps en temps, ils disaient, oui, ça c'est intéressant, non, ça va pas, ça, ben, arrête de charrier. C'était très indirect, surtout ad hoc. Et le principal milieu pédagogique, c'était les pères, c'est-à-dire les gens avec qui tu te tenais. C'est ça qui servait de boîte à écho de choses qui étaient soit toutes sortes d'influences culturelles, dont la ville de Montréal, par exemple, en Amérique, et aussi on sait aux confins d'une rencontre d'Europe et d'Amérique, de pauvres et de riches, parce qu'au Beaux-Arts, c'était très diversifié comme provenance sociale. Et tout ça, mélangé ensemble, traduit dans des dessins, dans des sculptures qui revenaient comme des images, étaient redigérées. Le carnaval. Et ça, c'était très excitant. On avait l'impression de devenir du monde. Puis à la suite de ça, peut-être que vous avez encore envie d'en parler, mais je me demande... Vous avez fait les Beaux-Arts au grand complet? C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a parlé de l'Arctique, des Esquimaux. Or, sans doute à cause de propensions théâtrales, j'avais entrepris dans le dessin de faire des personnages. Au sens des personnages de théâtre. Je cherchais des formes dans ma mythologie plastique qui dégageait la présence théâtrale. Alors, je faisais des avocats, par exemple, parce qu'ils ont des grandes robes, des curés, et des personnages exotiques, comme, par exemple, les Esquimaux, que, bien sûr, je n'avais jamais vu. Mais il y avait une présence théâtrale dans l'image d'un Esquimau, face à la nature, habillé, avec du poil, et ça m'a très... Ça m'a beaucoup enivré d'entendre parler des Esquimaux. Et là, je me suis dit, on va faire des pieds et des mains pour y aller. C'était des travaux d'étudiants. À ce moment-là, ça constituait
sous l'égide de René Lévesque, une direction du Nouveau-Québec pour aller reconquérir le nord que les Anglais nous avaient volé, le nord du Québec. Et on engageait des étudiants comme missionnaires de la langue française pour aller enseigner aux Indiens et aux Esquimaux la langue française, avec la méthode Berlitz, durant l'été. Et alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à passer. Une grande déception, je pense, aller chez les Esquimaux, retrouver mes mythes. On m'a envoyé chez les Indiens dans James. J'étais assez déçu, mais ça n'a pas duré très longtemps. De toute façon, rendu là, je me suis trouvé très sollicité par le milieu et des vieilles... des choses que j'avais complètement oubliées dans le narcissisme de mon expérience des beaux-arts, c'est-à-dire les responsabilités sociales, des choses comme ça, missionnaires, dames patronesses, tout ce qu'on veut, sont ressortis comme un volcan endormi qui était encore là, très présent. Et je me suis senti sollicité pour devoir faire quelque chose pour sauver ces gens de la misère. Et alors, j'ai fait le choix. Tiens, là encore, peut-être un choix, mais c'est pas sûr. Quand je dis « je me suis senti sollicité », c'est que je me sentais pogné, mettons. J'ai fait le choix d'abandonner les beaux-arts, enfin, avec l'idée d'y revenir éventuellement. Mais de passer un bout de temps là pour faire quelque chose. C'était dans le Zeitgeist. On était en 1967. Je veux dire l'année de l'Expo, mais surtout à une époque où, bien sûr, je ne saurais pas situer tout ça très bien, mais l'animation sociale, le BAEQ, la réforme d'éducation, la maîtrise du monde, bref, la réconciliation de l'État avec la Révolution. Il y a été quelques-uns qui croient, j'ai l'impression, dans ce temps-là. Et donc, j'ai embarqué là-dedans presque naturellement. Au moment où chacun, les gens de ma génération qui avaient fait le cours classique, qui avaient été dans les humanités, puisque les arts, c'était beaucoup plus les humanités que, bien sûr, la technologie, on s'est retrouvé un certain nombre dans ces années, en 66, 67, 68, en train de sauver les pauvres. Les fils de parvenus. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, la sociologie, maintenant. Bien, la sociologie, c'est comme ceci que ça s'est posé. Rappelons-nous qu'il fallait être quelqu'un dans mon éducation. Mais qu'on était responsable. Et en sortie des Beaux-Arts, j'avais ajouté quelque chose à ça. Pas qu'il fallait être quelqu'un en général, mais que moi, j'étais quelqu'un. Parce que le milieu des Beaux-Arts était réconfortant. Tu pouvais, c'était un univers assez clos, même s'il était comme un poumon qui recevait des tas de choses et qui émettait des tas de choses. C'était un univers sécurisant parce que tu te tenais en gros avec des gens qui se ressemblaient. Des jeunes qui cherchaient à peu près toute la même chose. Et on en sortait avec confiance en nous, j'ai envie de dire. Tout ce que je veux dire par ça, être quelqu'un. Mm-hmm. Pas au sens statut, encore dans le terme, mais quelqu'un. Pas n'importe qui. Bon. Et en travaillant avec les Indiens dans l'animation sociale, j'ai commis des tas d'erreurs, les phases typiques. Je pourrais y raconter, mais j'imagine que Gérald Fortin aurait pu raconter des choses pareilles. Des phases d'erreur, de désillusion, puis aussi, tranquillement, passer d'une mentalité qui nous venait de notre enfance, de missionnaire, de curé, de vicaire, à une mentalité de technicien du changement social. Qu'il fallait se servir de la raison, qu'il fallait être efficace, qu'il fallait faire des stratégies, que tout ça ne se faisait pas au nom de la bonne volonté, qu'il fallait manipuler finement. Le mot animation, c'était ça. Il y avait de ça là-dedans. Et puis, je me sentais, qu'il me manquait quelque chose. Dans la rhétorique de l'époque, c'est les sciences sociales qui permettaient ces choses, de devenir efficace lorsqu'on voulait refaire le monde. Avec d'autres. C'est-à-dire, on n'aurait pas conçu de refaire le monde en disant, on va devenir ministre, par exemple. Non, on était populiste. D'autant plus qu'il n'était pas possible de devenir ministre, ça nous aidait à mettre nos mires plus bas, j'imagine, puisqu'on était une espèce de petite classe aux couches
montante. On le voit très bien aujourd'hui. Alors, au bout de 2 ans, il y a une autre chose aussi, c'est que je commençais à avoir fait le tour des stimuli que peuvent amener un milieu comme celui-là, à moins d'en faire une spécialité, c'est-à-dire de vouloir approfondir l'étude de la culture ou de s'y faire des amis, mais c'est extrêmement difficile. Donc, je commençais à être tanné. Les mêmes histoires qui m'avaient été contées, les mêmes événements commençaient à se reproduire. La nature cyclique du milieu concordait mal avec le dépassement. Et je suis sorti au bout de 2 ans, parce que j'avais vécu dans un petit village. Et il était entendu qu'en même temps, pour être plus maître de la situation, j'allais reprendre des études. On s'était entendu que quand tu t'occupais des sauvages, c'était l'anthropologie. Les papiers que j'avais pu avoir, c'était toujours signé par des anthropologues, des ethnographes qui parlaient de la culture traditionnelle. Ça m'embarrassait beaucoup, cette histoire de culture traditionnelle. Ça me fatiguait. Mon expérience m'avait amené à croire que ce qui allait sauver l'identité amérindienne, c'était le dépassement. Ça, je l'ai tué, je n'ai pas changé d'idée. Il fallait donc en tuer un morceau de la culture traditionnelle, un peu comme au Québec, il a fallu en tuer un morceau, peut-être qu'on a tué un peu fort, mais qu'il faut, c'est Eros Thanatos, quoi, c'est le phénix, il faut renaître de ses cendres, des choses comme ça. Et alors, j'étais en anthropologie, et là, j'ai vu qu'on s'intéressait à la culture traditionnelle, s'agissant des Indiens, on parlait des vrais et des faux. Et étant dans la boîte, j'ai changé. Je suis allé en sociologie, où on s'occupait. Comment faire la société moderne? Grâce à la raison, aux sciences sociales, à l'animation sociale, à la planification. Il faut dire que je baignais dans un milieu qui n'est pas seulement le milieu universitaire, c'est-à-dire moi, je n'ai pas cessé de travailler à plein temps. Et j'ai fait toutes mes études à plein temps, en venant prendre des cours à l'occasion, avec une cédule assez, heureusement, assez souple, que j'avais au bureau où je travaillais. Et là, j'étais en charge de recherche et de planification. Alors, les études en sociologie, je les ai faites à l'époque, j'imagine, parce que, premièrement, ça m'a intéressé énormément. C'est vrai que pour quelqu'un qui veut comprendre la société, la sociologie a quelque chose à dire. C'est vrai. Mais pour un praticien, donc quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours en prétendant, non pas seulement s'y mouler, mais changer, organiser. Donc, considérer l'aspect collectif de la vie, la sociologie fait découvrir des tas de choses. J'ai trouvé ça très, très, très bon. Je n'ai jamais trouvé que c'était un discours insignifiant. C'est une chose. La seconde, c'est qu'il y avait le diplôme universitaire au bout. Et là, il y avait question de statut. Je me trouvais mal à l'aise de ne pas avoir de diplôme universitaire. Dans le milieu où je fréquentais, les gens avaient des diplômes universitaires ou étaient en train de s'en donner. Et ça allait de soi qu'il fallait en avoir un. Mais j'étais assez bête pour croire, en plus, que l'éducation universitaire faisait de quelqu'un de plus. Bon. La troisième chose, c'est que ça me légitimait à l'intérieur même de ma boîte, c'est-à-dire une légitimité techno-bureaucratique. Dès le moment, j'étais déjà directeur, entre guillemets, ça se prêtait mal à ça, ils ne voulaient pas me nommer. J'étais en charge d'un bureau de développement, éventuellement. J'avais la charge ou la responsabilité d'une douzaine d'animateurs sociaux. Et tout ça me laissait dans les limbes, comme je n'avais pas les qualifications académiques exigées pour cette tâche-là. Il était rattaché à quelqu'un qui était mon supérieur hiérarchique, le directeur général de la boîte. Et moi, j'étais ni plus ni moins de conseil dans tout ça. Ça me faisait une position bureaucratique inconfortable. Donc, la sociologie, pour moi, avait une fonction utilitaire. C'était pas très contemplatif. Et la jouissance des théories, non. J'en jouissais dans la mesure où elle me permettait de dire des choses à des gens de l'extérieur ou à des Indiens et à des Esquimaux avec qui j'étais en contact encore. Donc, c'est une fonction utilitaire, si on veut. Et le milieu universitaire lui-même, le milieu étudiant, lui-même, je me considérais comme n'en faisant pas vraiment partie. Si ce n'est par le coude. C'était pas mon monde. Il me semble qu'une fois que vous avez atteint cet objectif, là,
vous servir de la sociologie pour être bien à votre place au travail. Vous vous êtes mis à écrire aussi. On peut vous lire maintenant que ça fait quelques années que vous êtes dans l'Académie. J'aimerais que vous me parliez de cet enjeu-là qui est dans la sociologie, le défi d'écrire. J'ai toujours écrit. Bon, toujours. À mesure où il faut commencer par savoir écrire, apprendre à écrire. Mais comme un certain nombre de gens, là, j'aimais le français. Pas les dictées, bien sûr, mais le français, c'est-à-dire faire des compositions. Les images que ça permettait de faire. La langue, le plaisir de la langue. C'est peut-être mon père était un conteur qui aimait les mots. Beaucoup. Il s'en servait, il gardait les vieux mots qui avaient de la résonance, du corps, de la joue. Et donc, j'ai toujours écrit. J'avais même participé à un concours littéraire éventuellement, j'avais, je pense, 14 ou 15 ans. Et puis, chez nous, on respectait les écrivains. On respectait les intellectuels écrivains, c'est-à-dire pas l'écrivain qui écrit des romans, mais on respectait, par exemple, André Laurendeau. Où on a respecté Jean-Charles Harvey. C'est-à-dire des gens qui, en plus que d'être des créateurs de symboles, là, la littérature, entre guillemets, gratuite, étaient aussi des pamphlétaires, des intervenants sociaux, des moralistes, si on veut, mais qui écrivaient bien. Au sens d'un writer américain, ou un écrivain comme on en trouve, j'imagine un gars comme Malraux, qu'on ne connaissait pas, mais c'était le type de gens qu'on respectait. Mes parents... étaient devenus ce qu'on appelait à l'époque des amis du devoir, c'est-à-dire des gens qui avaient découvert ce journal. Ma mère en avait entendu parler, à un moment donné, elle s'était dit, je ne sais pas si on pourrait, nous, s'abonner à ça. Il paraît que c'est fait pour les docteurs et les gens extrêmement instruits, mais on pourrait peut-être essayer, on verra. Et ils se sentaient comme obligés, finalement, de lire le devoir pour l'apprendre, parce qu'il y avait là quelque chose. Et effectivement, ce n'était pas si bête, et ça... ils se sont intéressés beaucoup aux luttes que le devoir menait contre Duplessis, par exemple. Et aussi, ils trouvaient extraordinaire que le devoir leur parle de l'Europe, leur parle des États-Unis, leur parle des voyages. Au même moment, est arrivé Radio-Canada, avec des gars comme René Lévesque, qui sont devenus des héros très rapidement chez nous. La vie de l'esprit comme une mode d'échapper à la petitesse, la condition canadienne française, née pour un petit pain, toutes ces choses-là. La maîtrise du monde que mon père apprenait dans le commerce, les méthodes américaines pour faire du commerce. Alors, tout ça se conjuguait. Et l'engagement social aussi, côté religieux, mais d'une religion qui ne soit plus une religion de ritualiste, mais une religion de chrétienne grosse. On parlait dans le devoir d'esprit, par exemple, l'école du personnalisme. Et ma mère, en particulier, a trouvé là-dedans quelque chose d'intéressant, qui pour elle... donnait une réponse, c'est-à-dire voilà une religion qui n'était pas une religion désenglandée, la religion dominatrice. C'est comme ça qu'elle le voyait. Et au travers de toutes sortes de choses, c'est un message, ça, qui m'a sans doute terriblement marqué. Il y avait l'idée de lutte aussi. Les Amis du devoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y en avait pas des dizaines. Il s'agissait d'organiser, essayer de recruter des gens, faire des petites campagnes de souscription pour sauver le devoir qui était attaqué par Duplessis, qui avait des difficultés, pas d'annonce, des choses comme ça. Et donc, il y avait l'idée de lutte. Et puis, sont venus chez nous des gens qui étaient des héros en chair et en os pour mes parents, Pierre Laporte, Odette Oligny, Jacques Hébert, d'autres, mais non, je ne me souviens pas. Menti Ryan n'est pas venu aussi, mais déjà, c'était beaucoup plus tard. Fillion, pourfendeur à Coudache, que mon père aimait bien, parce qu'il était justement à Coudache. Et tout ça, bien sûr, a fait que... l'écriture, c'était à la fois quelque chose d'artistique, comme on aurait dit à l'époque, mais aussi c'était un engagement, c'était un mode efficace d'intervenir dans le monde. Ma mère me disait, fais un avocat. Pourquoi? Tu feras comme Laurendeau. Le droit, ça mène à tout. Dans le fond, elle pensait, peut-être, ça peut toujours mener au droit aussi, ce qui est pas mal. Le notable, l'avocat, mais aussi Laurendeau. Alors, la porte est... Et Grande Ouverte, elle permet le choix entre deux cultures. Si celle-ci ne change pas, eh ben, elle aurait pu dire aussi bref comme Duplessis. C'est l'ennemi. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, dans ce sens-là, on pourrait dire que
sans qu'il y ait vraiment personne qui choisisse, bien sûr, je réalisais les rêves que mes parents auraient pu peut-être entretenir, peut-être pas pour moi, mais force de me donner un exemple, un type comme Laurando ou Fillon, ben, le fait est que les écrivains de ce type, aujourd'hui, ils passent par les sciences sociales, ils passent pas beaucoup par le droit. Les avocats, aujourd'hui, les avocats écrivent moins, ils sont de plus en plus corporates, c'est-à-dire à l'intérieur de grands appareils, et le métier d'avocat est plus ce qu'il était. Ces avocats qui écrivent le soir sont de plus en plus rares. Et pourtant, c'est presque une tradition au Québec. Soit. Revenons quand même à ce que vous écrivez maintenant, comme sociologue, puisque vous êtes dans l'Académie à ce titre. Oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a encore un petit bout d'histoire. Ça fait que je suis venu à me réconcilier avec l'univers académique, l'univers scolaire, mais pas au sens petite école, là, scholar au sens américain, les études, la vie intellectuelle, ces choses-là, et la sociologie. La sociologie comme lieu où prendre le monde en main. Non plus cette fois une sociologie instrumentale, mais une sociologie comme fin, pratiquer la sociologie, faire de la sociologie parce que c'est quelque chose, c'est un métier, et c'est une façon de prendre le monde en main. C'est arrivé assez tard, à vrai dire. C'est presque jamais arrivé avant que je sois, par un concours de circonstances, recruté pour enseigner. Avant ça, j'ai fait un doctorat et une maîtrise. J'ai pas fini d'ailleurs, j'ai pas déposé ma thèse doctorat. Et j'ai fait ça, encore là, de façon instrumentale. Pour travailler et pour trouver des réponses à des questions. Bon. Et puis, quand j'ai entré dans le métier, là, je me suis mis, bien sûr, à l'apprendre, ce métier. Et ce métier, c'était d'enseigner la sociologie. C'était devenu ma pratique. Alors, c'était plus, à ce moment-là, instrumental. Et à partir de ce moment-là, la question de l'écriture, bien, se posa autrement. Parce que c'était pas le lieu pour écrire des pamphlets. Et c'était pas non plus le genre d'écriture qui se pratique lorsque tu es scholar. C'est pas non plus ce qui se fait dans les boîtes gouvernementales, qui ressemble beaucoup plus à un discours de vendeur de salade. Faire passer un dossier, par exemple. C'est intéressant, mais c'est un autre genre d'écriture. Il faut beaucoup, beaucoup que tu utilises les mots clichés pour jouer sur la symbolique du pouvoir. Bon, c'est un autre genre d'écriture. Tu t'y exprimes beaucoup moins. Tandis que là, dans notre métier, ici, c'est un peu tiraillé. Il y a la mystique des faits empiriques, il y a la mystique de la précision du langage, des concepts dénotatifs. Tout ça est assez restrictif pour quelqu'un qui veut continuer à avoir un mode d'écriture qui soit expressif, et donc une projection de symbolique ou d'identité, une prise du monde par l'écriture. Et non pas seulement une prise de la prochaine feuille, de la prochaine revue qui publie des papers. Alors, j'ai réussi à me réconcilier assez rapidement par des modèles qui existaient ici. Je pense à Falardeau, par exemple. Et puis, il y a aussi le fait que les recherches que j'avais entreprises avant de commencer à enseigner, c'est-à-dire après avoir laissé le gouvernement, et avant de commencer à enseigner, c'est des recherches empiriques, mais des recherches sur le vécu, avec des entrevues, des choses comme ça. Et j'avais atteint la conviction que ce qu'on écrit en sciences sociales, soit en sociologie, là, on nous en a ça, ce qu'on trouve dans les revues dites scientifiques, là, que ça ne disait pas la réalité. Ça disait quelque chose sur la réalité, mais qu'il y avait une densité dans la vie des hommes en collectivité, un humour, toutes sortes de choses qui ne se traduisaient pas avec des mots comme structure, et puis des choses comme ça. Et la sociographie, c'est-à-dire écrire sur le social vivant, réalisé, naissant, la vie qui bat dans la société, exige, je le crois aujourd'hui, un recours au mode symbolique, l'écriture évocatif, ces raccourcis, la métaphore, la jouer sur les symboles qui sont eux-mêmes utilisés par les acteurs pour se définir. Et ainsi de suite. Alors donc, là, l'écriture devient pas... C'est pas le même genre d'écriture, bien sûr, qu'écriture d'un poète, mais dans la mesure où le poète va aussi chercher sa symbolique dans le milieu culturel et essaie
d'introduire des images qui réinterprètent et qui font renaître la puissance symbolique créatrice du milieu culturel. En ce sens-là, faire de la sociographie en y investissant une démarche du même type, c'est-à-dire en allant chercher des symboles dans le milieu même, en les réinterprétant en sociologue, en leur faisant dire des choses, ça aussi, c'est une opération de transformation symbolique. Elle n'est pas aussi gratuite que celle du poète, c'est évident. Mais ma foi, quand on est fils de parvenu, on ne vise guère à devenir autre chose que quelqu'un qui n'est pas un parvenu. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien confortable et dans son statut, hein, trouver sa place. Et peut-être qu'ensuite, les enfants de ceux qui ont trouvé leur place aspireront cette fois à réinventer quelque chose de nouveau. Mais bref, le compromis entre l'appareil de l'éducation, le salaire régulier, l'aspect bureaucratique, le côté fournisseur de services dans l'éducation, et tout ça, le côté fétichiste de la science sociale, essayer de faire croire qu'on dit des vérités, tout ça, c'est bien sûr pas très enivrant, mais moi, je le fais parce que, en même temps, il y a partout des trous. Et entre autres, il y a la possibilité d'écrire. Pas rien que d'écrire de la socio, mais d'écrire. Bon. Écrivant, comme vous dites, s'agissant d'écrire, vous écrivez sur le problème de l'identité. Vous écrivez sur l'appropriation, vous parlez d'appropriation symbolique et d'appropriation matérielle, vous parlez de culture, de socialité. Il y a deux choses là-dedans qui me viennent à l'esprit pour expliquer comment est-ce que ces questions se posent à notre époque. Je dis souvent à ma génération, parce que je me trouve assez cliché. C'est-à-dire assez typique, Canadien, Français, catholique, Québécois, Américain, qui a fait la Révolution tranquille, fils de ses parents, etc. C'est d'un côté la transformation culturelle du Canadien, Français, le mépris bénin à l'occasion, mais le mépris certain qu'on a eu pour la folk society, les Canadiens, Français, les épais, les ruraux, les colons. On appelait ça poliment la société traditionnelle, les curés et tout ça. Donc, il a fini par avoir un mépris là-dedans, et ce n'est pas seulement les intellectuels qui ont eu ce mépris, c'est un phénomène de colonialisme, c'est-à-dire est assez courant chez les colonisés de se regarder avec les yeux du colonisateur. Et comme le colonisateur disait « a priest-ridden province », ben on a dit « oui, c'est vrai, c'est a priest-ridden province, c'est ça qui est notre problème ». C'est drôle, la victime dans les situations coloniales cherche toujours en quoi elle est responsable, coupable d'être une victime. C'est courant. Il y a là un mépris de la culture. Je n'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu, au contraire, ce mépris comme un progrès, comme un mépris noble, un mépris qui nous permettrait de devenir des gens libres. Bon. Donc, la question de la culture, la question de la continuité, je l'ai résolue à peu près comme tout le monde la résolvait à l'époque. Au diable, le passé, l'avenir nous commande, la société technologique, la société moderne, reprendre le monde à bras-le-corps. Curieusement, je ne l'ai pas pris, disons, cette démarche intellectuelle qui était celle des intellectuels québécois, si on veut, de 1945 jusqu'à tout récemment. Je l'ai pris, moi, chez les Indiens. Les Indiens aussi ont un certain mépris pour la culture traditionnelle. Ils vont la fétichiser, la folkloriser, comme on le fait nous aussi un peu maintenant. Mais dans le fond, il y a un mépris. Et il y a aussi cet attrait singulier pour la maîtrise du monde, la domination des choses, des hommes, la construction, la responsabilité, faire l'univers, ainsi de suite. Un discours qui est très courant. Et il s'impose à toute fin pratique. Ça commence par le fait qu'il n'y a pas assez d'avions, on constate qu'il n'y a pas de communication. Et on prend toute la rengaine, et la première chose qu'on
qu'on découvre, c'est que les histoires de culture, là, ça, c'est de la... C'est de la folie. Alors, la culture, c'est pas important. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais engagé dans le parti des coopératives, par exemple. J'ai parti d'une coopérative avec les Indiens. Pour nous, là, les vieux bonhommes qui disaient « Ah, les coopératives, c'est des catholiques, puis nous, on est des protestants. » En fait, tous les vieux s'inquiétaient de tout ça. Et donc, avec les camarades avec qui j'étais, les jeunes Indiens, donc des gens de mon âge, j'étais tout sympathique, un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune, on voulait s'arracher les gens à la culture. Et le problème n'était pas de réexprimer la culture traditionnelle ou des choses de ce genre-là, la chasse et la pêche. Pour nous, il fallait au plus vite transformer ça en commerce et puis gagner l'autonomie économique, puis se sortir de la dépendance à l'égard de la bureaucratie fédérale, devenir maître chez soi. Bon, hein, on voit tout de suite le discours. À tel point que, lorsque j'ai quitté le Nord, j'avais atteint la conviction que certains mouvements sociaux au Québec, dont on entendait parler, en particulier Cabano, les paroisses marginales, bref, des petites communautés traditionnelles qui ressemblaient au milieu des Indiens, face au capitalisme, je ne connaissais pas beaucoup le mot à l'époque, mais face certainement à l'argent, face certainement à l'État, dépendance, ainsi de suite, faisaient la même chose que les Esquimaux et les Indiens que j'avais connus qui étaient dans les coopératives. Un immense discours d'autodétermination, de maîtrise technique, et ainsi de suite. Et j'étais convaincu que c'était la même chose. C'était mon hypothèse pour le premier travail de recherche que j'ai accompli. J'ai heureusement trouvé de l'argent, quelqu'un qui m'a offert de faire un projet de recherche. Mais j'ai dit, justement, j'ai une question, la voici. Je vais aller comparer si à Saint-Octave l'avenir, les opérations Dignité, les Cabano, les paroisses marginales d'Abitibi, si tout ça, c'est la même chose que ce que j'ai vu chez les Indiens. Et s'il y a des choses en commun, alors il faudrait qu'on s'unisse, il faudrait qu'on élargisse le débat, la façon de poser les problèmes chez les Indiens, afin d'avoir une théorie plus efficace du changement social et de la libération. Puis ensuite, passons, on fera des échanges, ça va être très bien. Donc, en même temps, déjà c'était courir après la science, mais pour la pratiquer. Et puis, j'étais dans ça et j'ai pas trop eu de problème. C'est-à-dire j'ai trouvé, comme ça arrive très souvent, ce que je cherchais. Avec des sacrées nuances, j'ai découvert là quelque chose que je ne soupçonnais pas. Il faut dire que j'avais fait maintenant des études en sociaux. J'ai lu des types, Henri Lefebvre, par exemple, chez qui j'ai pris la signification du mot technobureaucratie. Non pas comme des hauts fonctionnaires, mais comme un mode d'organisation de la société et en même temps un type nouveau de classe dominante. Bon. Et c'est là où j'ai atteint la conviction que des mouvements comme Opération Dignité ou Cabano n'étaient pas des mouvements du type mouvement ouvrier contre le capitalisme propriétaire de moyens de production. Ça l'était, on pourrait rentrer dans le détail, mais secondairement. C'était plus immédiatement des mouvements qui, à leur manière, répondaient à la transformation de notre société, qui, bien sûr, est capitaliste, on passe notre temps à répéter ça, là. Notre société contemporaine, la nôtre, la seule qu'on est, quoi. Bon. Que c'était une résistance aux formes nouvelles de la domination. Et non pas aux formes anciennes. C'était pas l'ouvrier d'usine, c'était autre chose. Et cette autre chose, c'était le citoyen, l'habitant, face à la centralisation économique, face à la centralisation de l'État, face à l'État comme agent du capital collectif. C'était l'habitant, c'était l'homme qui était aliéné des mécanismes sociaux intermédiaires qui, hier encore, dans sa mémoire, lui rappelaient qu'il avait accès à la collectivité et qui se retrouvait, au contraire, aujourd'hui, par évacuation de ce milieu ou de ce champ social intermédiaire entre le privé et l'État public, qui se retrouvait, bref, sans prise sur le monde. Si on creusait derrière ça, c'est ce qu'on trouvait. Et bien sûr, là, j'ai fait des ponts avec la situation des Esquimaux, mais je suis resté avec une conviction qui me venait des Esquimaux et des Indiens, c'est que cette lutte était partiellement culturelle, que ce n'était pas une lutte d'intérêt économique.
Mais ça, j'ai gardé aussi. Donc, je me suis mis à comprendre les choses que j'étudiais, effectivement, avec une théorisation qui permettait de réconcilier la situation des Esquimaux et des autochtones québécois et ces autochtones des paroisses marginales, des ruraux, en rébellion, à leur manière. Je suis arrivé comme ça, à me faire une théorie de la société telle qu'elle existe actuellement. Bon. Puis déjà, c'était plus scholar, c'est-à-dire que cette théorie et le besoin de la dire comme théorie, et non plus seulement de s'en servir pour régler les problèmes des coopératives esquimaudes, par exemple. Déjà, à ce moment-là, j'étais plus orienté vers le scholarship, si on veut. Ou le métier d'intellectuel, moins que le métier d'animateur social, ce qui aurait été encore ma définition à ce moment-là.